Une vidéo de présentation du système digestif. Nous allons démarrer par la bouche, avec bien sûr tout ce qui concerne la mastication. Premier élément, au niveau des glandes salivaires, avec les glandes parotides, vraiment élevées et prédominantes au niveau de la tête. Elles sont accompagnées de deux autres glandes salivaires. Sous-mandibulaire et deux autres, enfin une autre avec bien sûr de chaque côté en sublingual. Voilà pour cette partie. On arrive après dans le pharynx. Donc le pharynx permet d'aiguiller entre l'entrée ici des aliments, l'entrée de l'air pour ce qui nous intéresse, arriver à l'œsophage. On va donc poursuivre côté œsophage. On va se situer toujours dans notre système digestif complet. Donc l'œsophage, il va partir du pharynx, continuer de descendre le long de la colonne vertébrale pour arriver dans une zone un peu particulière, puisque ici l'œsophage rentre au niveau du diaphragme. Alors, on va regarder ce que ça donne au niveau diaphragme. On va juste imaginer ne disposer que de ces éléments-là et bien se rendre compte que l'œsophage se retrouve comme emprisonné autour de ces muscles du diaphragme. Que ce soit vu d'ici ou vu de l'intérieur, on se rend compte qu'effectivement, le diaphragme joue un rôle important dans la digestion puisqu'il... Il en sert l'œsophage à ce niveau-là. Voilà, pour cette partie, on arrive donc après sur l'estomac. Donc l'estomac, on regarde une vue un peu plus détaillée ici. En fait, on va retrouver un sphincter en entrée qui s'appelle le cardia, qui va se trouver ici entre la limite de l'œsophage et de l'estomac, pour voir les différentes couches musculaires de l'estomac et ses villosités à l'intérieur. Et en sortie, un deuxième sphincter qui s'appelle le pylore, un anneau musculaire ici qui retient bien sûr le chyme, tout pendant que les digestions stomacales ne se sont pas déroulées. Après, nous allons passer au foie. Donc je vais quand même cacher le diaphragme qui empêche de voir pas mal de choses. Donc le foie, il se trouve plutôt en partie droite, mais en fait il est sur bonne partie du corps, puisque c'est le plus gros organe du système digestif. On va voir une partie spécifique maintenant, puisqu'on s'intéresse à la partie bilaire. Donc, on a ce canal qui sort du foie pour alimenter en bile, soit directement vers l'intestin, soit vers la vésicule biliaire. Donc la vésicule biliaire, juste en vue un peu isolée, hein, on a un organe assez long. On a les différents canaux qui vont collecter la bile dans le foie et la descente vers le pancréas et vers les intestins que l'on verra par la suite. Le pancréas maintenant se trouve à ce niveau, juste derrière. Donc le pancréas, une glande assez grande aussi et assez allongée, avec deux particularités. Enfin, en tout cas, ici, on va retrouver le sphincter d'Oddi, qui, du coup, va collecter à la fois la bile qui vient du foie et de la vésicule biliaire pour se connecter à l'intestin grêle. Si on se replace dans la vue globale, nous étions donc, si on poursuit le parcours, on était arrivé au pylore.
Et on va arriver sur le duodénum. Donc, le duodénum qui est en fait assez petit, on va dire, assez court par rapport au reste, puisque c'est cette partie-là en sortie de l'estomac. Après, nous avons le jéjunum, donc qui est la première partie de l'intestin grêle. On peut voir ici en vue, jéjunum, c'est cette partie-là. Après, nous avons l'iléon. Donc pareil, en isolant un peu le tout, c'est cette partie suivante de l'intestin grêle. Une caractéristique, un point à noter, c'est la jonction entre l'iléon et le côlon ascendant, avec la valvule de Bohun. La valvule de Bohun, et qui s'appelle aussi la valvule iléosécale, qui se situe à ce niveau-là. Iléosécale, puisque effectivement, maintenant nous sommes dans le gros intestin avec le cécum, dans ce qui est cette partie basse du côlon ascendant, tout en bas l'appendice vermiculaire, toujours en se situant au global. Nous avons donc notre côlon ascendant qui démarre ici. Donc le côlon ascendant, il fait cette partie là. Il va arriver jusqu'à l'anse hépatique, puisque cette anse se situe au niveau du foie. Nous allons après avoir le côlon transversal jusqu'à l'anse splénique. Puis le côlon descendant jusqu'à l'anse sigmoïde. Et enfin, en bas, nous arrivons à l'ampoule rectale. Enfin, ça, c'est le sigmoïde. Puis l'ampoule rectale qui se situe en partie terminale. Alors, ce que l'on peut noter, c'est tout ce que l'on voit en bleu. J'ai laissé ici en fait tout le système veineux du système digestif. On peut voir la collecte des nutriments principalement autour de tout ce qui est intestin. Et on peut voir ici, en entrée du foie, la veine porte. Et si on regarde le système veineux du système digestif, c'est quand même quelque chose d'assez important en taille. La collecte de tous les nutriments récupérés au niveau du système digestif, au niveau des intestins. Et puis enfin, une particularité, on va dire, concernant le système lymphatique, on va retrouver la citerne de Péquet, qui en fait, dans sa nouvelle appellation, s'appelle la citerne du Chyle. Donc si on regarde par rapport à L1, eh ben, on va voir juste le long de L1 une ampoule qui est assez grande, qui se situe, que j'arrive à vous la montrer. Hop, elle est le long de la colonne vertébrale. Elle se situe ici. Voilà la citerne du Chyle. Voilà.